Elle est présentée comme la médiation de la dernière chance à Bamako. Après deux échecs depuis juin, la CDAO envoie cette fois cinq présidents au chevet du Mali. Ils vont tenter de trouver une issue à la crise entre le président Ibrahim Boubacar Keïta et ses opposants du mouvement du 5 juin. Ces dernières semaines, plusieurs manifestations ont exigé son départ. Ils sont donc attendus sur le sol malien dans environ une heure peut-être. À présent, les présidents Mouamadou Bouari du Nigeria, le le Sénégalais Makissa, le Nigérien Mamadou Issoufou, le président du Ghana, Nana Akufo-Addo et le président ivoirien Alassane Ouattara. Et avec nous pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Claude Jean Félix Chikaya. Merci d'être d'être avec nous. Alors, vous êtes chercheur à l'Institut de Prospective et de Sécurité en Europe. Vous êtes aussi spécialiste de l'Afrique. Alors, on voit arriver cinq chefs d'État aujourd'hui. C'est un format inédit. Quels sont donc les enjeux pour tous ces présidents mais ces cinq présidents qui comptent hein, dans, dans la région au sein de, de la CDAO, la venue de ces cinq présidents qui arrivent dans, dans une heure, euh, souligne la gravité, l'extrême gravité de la situation malienne. Euh, le mouvement du 5 juin signifie le point d'orgue, c'est le 5 juin que les manifestations... Euh, populaire, monstre, euh, pas monstrueuse, mais vraiment, euh, on a rarement vu les rues de Bamako irriguées, euh, entre guillemets, d'une ce que j'appelle une géopolitique des peuples qui commence à, à bien s'exprimer dans beaucoup de pays euh, africains. Et là, il s'exprime. Euh, sans discontinuer. Donc depuis euh, le 5 juin, il y a une trêve pour la Tabaski, c'est-à-dire la, la fête du bouton et euh, -el Kébir. Euh, en Afrique de l'Ouest et subsaharienne. On dit euh, donc euh, la Tabaski, un mot serré. Il est important de de souligner et, et de que le monde entier prenne la quintessence de cette crise qui concerne effectivement le Mali, mais toute la partie du Sahel. Et donc les, les présidents qui viennent aujourd'hui ne s'y trompent pas. Euh, si cette digue saute sur le plan social, économique, euh, sur le plan même terroristes, sur le plan sécuritaire, ça peut euh, avoir, euh, sur le plan des ricochets, généré euh, de nombreuses crises. Alors justement, donc, ces présidents, ils arrivent donc, après deux délégations de la, de la CDAO. Euh, on considère que c'est un échec. Alors aujourd'hui, quelle est la marge de manœuvre de ces présidents On sait que la précédente délégation a recommandé notamment la formation d'un gouvernement d'unité nationale qui a été rejeté, en tout cas par le mouvement du 5 juin. Euh, que peuvent ces, ces chefs d'État aujourd'hui leurs chansons sont très minces, ils vont jouer euh, bah, à fond euh, le, leur rôle. Pourquoi ça a été rejeté Parce que le Mali, depuis 2012, mais même avant, a connu euh, ses recettes, euh, a expérimenté ses unions, ses euh, gouvernements d'union nationale qui ont. Euh, euh, Implosé, parce qu'il y avait plusieurs personnalités, plusieurs partis qui n'étaient pas tous d'accord sur le plan programmatique, sur le plan du projet politique. Là, le mouvement de, le mouvement 5, mouvement nommé 5, c'est très hétéroclite. Il y a l'intérieur. Des gens qui, qui sont marxistes, des gens qui viennent de la société civile, euh, mais il y a aussi du politique religieux. Alors justement, c'est peut-être assez difficile de contenter euh, voilà, ce, tout ce monde qui est vraiment très différent au sein de ce mouvement. Comment est-ce que ils peuvent, ils peuvent arriver à un consensus Alors, le consensus et les compromis. Euh, ça va être très difficile de le trouver parce qu'ils ils ils se doivent, en tout cas, ce qu'on peut dire, ce que j'ai envie d'avancer, c'est que le, le, le mouvement numéro 5 du 5 juin numéro 5, euh, travaille sur un comité de salut public et sur un comité pour choisir qui, euh, quel est le leader qui va pouvoir transcender tout ce, ce côté hétéroclite de, de ce mouvement du 5 juin. Euh, il demande en même temps, euh, plus vraiment maintenant, la démission d'Ibeka, mais il voudrait le laisser, le, le, le laisser au pouvoir, mais en lui retirant la substance, euh, toutes ses prérogatives, donc euh, sur le plan de la dignité de M. Ibeka, sur le, sur le plan narcissique, sur le plan des, même des, des prérogatives. Est-ce que cela est acceptable C'est une donc, ligne rouge en tous les cas ils veulent, pour ils, les États, voilà, pour la communauté internationale. Hein. C'est une ligne rouge, mais le peuple semble majoritairement euh, désavoué la, la, la réputation euh, à cause du bilan euh, défavorable, qui est très favori, défavorable à Ibeka, semble éroder, euh, presque démonétiser euh, d'Ibeka. Donc, euh, c'est aussi en coulisses des négociations pour le pousser, lui, à la, à la, à la démission. Il la, la, y a une crise constitutionnelle et institutionnelle. Il a dissous donc, euh, le Conseil constitutionnel. Donc, il des, des décisions qui doivent être prises, qui, de, qui ont soulevé ce mouvement du 5 juin avec des résultats législatifs qui sont plus que contestés. Donc il y a plusieurs contestations, le pouvoir, le Conseil constitutionnel qui n'existe plus. Donc les, les décisions institutionnelles sont très difficiles à prendre. Alors au-delà hein, de, des protagonistes du mouvement du 5 juin, ils doivent aussi rencontrer l'imam Mahmoud Diko. Alors est-ce que c'est cette personnalité aujourd'hui qui est en position de force c'est une personne qui a une aura euh, incroyable, euh, qui était d'ailleurs un ami, un partenaire de M. Ibeka, qui l'a aidé d'ailleurs en 2013 à devenir président. Il y a une scission entre eux, comme certains des anciens ministres aussi de M. Ibeka, qui se trouvent maintenant dans l'opposition, dans ce mouvement euh, euh, du 5 juin. On peut dire que tout le monde vient le voir, la communauté internationale vient voir l'imam Diko, M. Ibeka lui-même, son premier ministre qui est très contesté. Le mouvement du 5 juin demande aussi, peut-être plus que la démission de M. Ibeka, celle de, du, du Premier ministre actuel. Tout le monde vient voir donc ce monsieur qui a entre les mains presque l'arbitrage politique du Mali. Merci beaucoup Jean-Claude Félix Chikaya. Vous êtes chercheur à l'Institut de prospective et de sécurité en Europe. Merci pour cet éclairage Bonjour. sur le Mali.